à tous, bonjour et bienvenue dans votre émission matinale de tous les matins, du lundi au vendredi, quand il est 10h. Nous commencerons tout d'abord par vous présenter nos excuses par rapport à ce léger retard. Et histoire oblige, depuis le 26 mars 1984, il y a de cela 32 ans, que le père de l'indépendance de la Guinée nous a quitté. Son nom, Amin Sékou Touré, l'homme qui a dit non au référendum du 28 septembre. Il a passé 26 ans au pouvoir, de 58 à 1984. Son bilan reste grand et mitigé. Certains le voient comme un héros, tandis que d'autres le considèrent comme un tyran. Dans ce numéro, nous allons nous intéresser à ce bilan de 26 ans. Il s'agit tout d'abord, c'est le domaine de la justice qui nous intéresse. Pour tracer ce sujet dans toutes ses dimensions, nous avons pour vous ce matin, dans ce numéro, deux invités prestige. Le premier, c'est M. Mohamed Ali Kiam. Il est magistrat de formation, ancien ambassadeur, ancien parlementaire, ancien chercheur en droit dans plusieurs universités de la capitale. Bonjour M. Kiam. Et le second, c'est M. Ansoumane Camara. Il est administrateur civil, spécialiste des mines et géologie, et ancien ambassadeur lui aussi. Et, mais pour, comme vous le savez, pour des raisons d'embouteillage et de véhicules, et il va nous rejoindre dans ce plateau d'un moment à l'autre. Nous allons aborder les questions de droits de l'homme et de droits du peuple pendant la première république. Pour commencer, je m'en vais demander à M. Kiam de nous faire la part des choses entre ce qu'on a appelé de par le passé droits de l'homme et droits du peuple. Merci M. Touré de me donner la parole. Je la prends parce que notre histoire est notre patrimoine commun. Et je pense qu'il est du devoir de ceux qui en connaissent une partie de la donner aux autres. Et j'interviens parce que je suis un père de famille. Oui. Et je sais toute la fierté que j'ai éprouvée dans mon enfance quand la Guinée accédait à l'indépendance. J'ai de très grands souvenirs de ce moment qui encore influe sur ma personnalité. Oui. Nous avons un patrimoine historique. Quelles que soient les difficultés que nous avons rencontrées, ce patrimoine, nous ne devons pas le nier. Nous ne devons pas non plus le détruire, puisque notre originale personnalité en dépend. La République de Guinée a un patrimoine juridique qui doit être connu. Si certains sont fiers d'être guinéens, d'autres ne le sont pas. Parce que notre histoire est en train de s'écrire de diverses façons. Il est temps de remettre les choses sur les rails pour que l'histoire dans son ensemble soit vécue et assumée. Parlant des droits de l'homme, je vais commencer par une petite anecdote. Un homme avait confié son chameau à Dieu en lui disant « Je me rends à tel endroit, tu es tout puissant, je te confie mon chameau pour ne pas qu'on me le vole. » Et Dieu lui répondit « Voilà une corde à côté de ton chameau, attache-le. » L'homme ne le fit pas. Il s'en alla en disant à Dieu « Tu es tout puissant, je n'ai pas besoin d'attacher mon chameau. » Il s'en va. À son retour, le chameau n'est pas là. Il le réclame à Dieu. Dieu lui dit « Écoute, je t'avais dit d'attacher ton chameau. Tu n'as pas compris. Quand j'ai créé le chameau, je lui ai donné des pattes pour qu'il marche. Pour qu'il se déplace. C'était ça ma volonté, que le chameau marche. J'ai refusé à l'arbre de marcher, je lui ai donné des racines. Puisque je ne peux pas me dédire, je t'ai dit, attache ton chameau. Toi, tu as le droit de me dédire, mais moi, Dieu, je n'ai pas le droit de me dédire, ayant donné au chameau des pattes pour qu'il exerce sa liberté de circuler. Si tu l'avais attaché, je l'aurais préservé contre les voleurs. Mais je ne peux pas le préserver contre la nature que je lui ai donnée. Tout à fait. Ainsi, nous comprenons que Dieu, en nous créant, en créant l'être humain, en lui donnant la possibilité de se mouvoir, mais surtout en faisant que cette possibilité motrice de l'homme soit guidée par un cerveau où est déposé le savoir, et que ce savoir a pour véhicule la parole, qui fait que
l'homme s'est humanisé, c'est-à-dire qu'il s'est éloigné de l'animal. Mm. Nous disons donc, je dis donc et j'affirme solennellement que les droits de l'homme ne sont pas une création de l'être humain. C'est des prérogatives, des permissions, des privilèges qui tiennent à la nature même de l'homme. Lorsque vous prenez un homme, vous l'enfermez dans une maison, vous ne pouvez pas empêcher que son cerveau divague, se promène et aille à des milliers de kilomètres et se projette dans une infinité de temps, présent, passé et futur. J'ajoute que il est inhérent à l'homme de manger. Et pour manger, il doit en trouver les moyens, c'est-à-dire qu'il doit agir. Travailler. En agissant, il est avec d'autres. Et je commence par le fait que lorsque nous prenons la cellule familiale, nous avons le père, la mère, des enfants. Ajoutons les grands-parents pour corser notre démonstration. Dans cette famille, le père a ses responsabilités, ses devoirs, ses obligations, mais il a aussi ses responsabilités, ce qu'on attend de lui. De lui. S'il ne le fait pas, il y a les sanctions morales qui commencent par des reproches. Ensuite, d'autres sanctions. Il y a la mère dont les obligations, les devoirs sont également connus, mais aussi les responsabilités, mais aussi les privilèges. En tant que mère, en tant qu'épouse, elle a des privilèges, elle a des permissions, elle a des possibilités qu'elle doit pouvoir exercer dans le statut de mère de famille qu'elle est. Les enfants, l'aîné aussi a ses responsabilités, le moins jeune, le plus jeune, les responsabilités sont apparemment naturellement partagées. Ça devient un contrat social, comme l'a dit Rousseau, certainement. Donc, si nous prenons, si au niveau de la famille, nous avons cette diversité de prérogatives, cette diversité de facultés, c'est-à-dire d'exercice de la volonté individuelle. Oui. Lorsqu'on va à un niveau plus large, le groupe clanique ou ethnique ou national, nous assistons à une répartition aussi de possibilités, de permissions, de prérogatives, mais aussi d'obligations, de responsabilités à assumer. Oui. Par exemple, pour faciliter la circulation, on a dit « tu circuleras à droite » pour permettre à celui qui vient dans l'autre sens de circuler à sa droite, mais à ta gauche. Ainsi, il n'y a pas de collision. Donc, la société s'organise donc autour de règles. De principes. De principes, de règles impératives, c'est-à-dire qui donnent des instructions pour faire, ou prohibitives qui interdisent de se comporter. Alors, cet ensemble de prérogatives, cet ensemble de manifestations de la volonté individuelle avec des permissions et des possibilités, c'est ce qu'on appelle droit de l'homme. C'est tout ce que l'homme, par l'autonomie de sa volonté, peut faire, mais il le fait dans le cadre de ses relations, de son commerce quotidien avec ceux qui sont autour de lui. Son environnement. Donc, tout ce qui est sa permission est l'obligation des autres. L'autre. Mais tout ce qui est la permission, les possibilités des autres, c'est son obligation vis-à-vis de ceux-là. Il y a l'obligation du maître d'école vis-à-vis de ses élèves, il y a l'obligation de l'élève vis-à-vis. Et ce que l'élève peut réclamer au maître et qui lui est reconnu parce qu'il est élève, est son droit de l'homme. Et selon les statuts de chacun, selon sa position sociale, il a donc un ensemble de permissions, un ensemble d'autorisations
qu'il tient des règles qui gouvernent la société, qui constituent ce qu'on appelle ses droits. Mais ces droits ne tombent pas du ciel, comme le disait Fustel de Coulanges. Ils émergent de l'organisation sociale. Ils émergent de l'organisation sociale. Un penseur même aurait dit que le plus fort n'est jamais assez plus fort s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en voilà. droit. C'est cette organisation donc qui amène la coexistence du faible et du fort dans des relations pacifiques. La coexistence du pauvre et du riche. Chacun ayant le droit d'exercer cette autonomie de la volonté. M. Kiam, rapportez ça à notre sujet du jour, c'est-à-dire la Première République qui pensait, qui parlait souvent du droit du peuple. J'en viens. Oui. Donc, les droits de l'homme sont donc attachés au fait que Dieu a créé l'homme avec des besoins et un statut qui doit s'exercer. Mais ce statut, ces droits s'exercent au sein d'une collectivité villageoise, régional, national. Donc, et venons au niveau de la communauté. C'est la communauté qui fixe les règles à laquelle chacun se soumet. Mais cette communauté vit aussi avec d'autres communautés. Donc, les règles de coopération entre les communautés. Puisqu'il y a ces règles de coopération, cela veut dire que chaque communauté, comme l'individu, a une autonomie de volonté qui doit s'exercer dans le cadre de ce commerce, de cette coopération entre ces communautés. Si, dès que cette communauté va s'appeler État ou nation, nous allons parler de souveraineté. La souveraineté étant la volonté autonome du peuple dans ses relations avec d'autres peuples de niveau égal. Vous savez que si nous sommes d'accord avec ces principes, c'est-à-dire que l'homme a droit à la vie et à la dignité, que l'homme est l'égal de l'homme selon le principe de l'équivalence humaine, si nous sommes d'accord que l'intégrité de l'homme doit être respectée, qu'il a droit à la liberté, mais surtout qu'il a droit à la sécurité, cet ensemble-là de droits qui sont reconnus à l'individu s'exerce au sein de la communauté à laquelle il appartient. Or, il appartient à l'organisation de cette communauté de faire en sorte que ses droits ne soient pas violés à l'interne, mais à l'extérieur, que ses relations s'exercent dans le commerce avec les autres, parce que Dieu a fait que l'homme, au départ, était nomade. La sédentarisation est venue avec le développement pour que chacun occupe un espace qui lui est propre. Cet espace étant maintenant connu, donc nous avons des frontières, il va sans dire que la naissance de la propriété privée. La naissance de la propriété va arriver. Propriété privée, mais propriété collective. Parce que quand on dit la République de Guinée, elle appartient à tous les Guinéens, mais à aucun Guinéen. Cette dichotomie est la réalité de l'appartenance à un ensemble national. Une entité. Cet ensemble national nous amène à constater donc que nous avons d'un côté les droits de l'homme au niveau individuel, mais les droits du peuple en ce que cela concerne est la communauté nationale, la communauté étatique. Ces deux droits sont absolument inséparables. Donc, si nous devons parler donc des droits de l'homme pour la Guinée, commençons à partir de 1958, mais étant entendu que si nous avons lutté contre la colonisation, c'est pour les deux raisons. Les droits de l'homme au niveau individuel, mais les droits de l'homme au niveau universel, au niveau étatique, au niveau national, au niveau communautaire. Dès l'admission de la Guinée à l'ONU, c'était en décembre 1958, le 12 décembre exactement 1958, la Guinée s'est intéressée, le président Sékou Touré avait d'ailleurs dit, lorsqu'il prenait pour la première fois la parole à l'ONU, je le cite, « Le gouvernement que j'ai l'honneur de présider
fidèle à l'idéal de justice et de solidarité, fidèle surtout à la volonté unanime du peuple guinéen en faveur de l'accélération de la lutte des peuples opprimés, entend proclamer que l'indépendance de la Guinée est inséparable de celle des autres peuples d'Afrique. Ceci dit, il s'est engagé sur deux fronts. Le premier front, c'était la libération de la Guinée. Ensuite, la libération du continent africain. Oui. Cela a amené le gouvernement guinéen à participer activement à créer les conditions dans lesquelles les anciens peuples coloniaux doivent être non seulement indépendants, mais exercer leur souveraineté. Et cela a permis à la Guinée d'être l'un des principaux auteurs de la résolution 15-14 qui a été adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 14 décembre 1960. Cette résolution était intitulée « Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux ». Naturellement, comme toute résolution, elle était dénuée de valeurs apparemment obligatoires, oui. Mais elle affirmait une chose, le droit à l'autodétermination, et refusait tout retard en ce qui concerne l'octroi ou l'accession de l'indépendance, à l'indépendance, et en écartant le prétexte que le sous-développement d'un pays soit le motif pour le maintenir sous le carcan colonial. Oui. Ensuite, la résolution, la même année, mais cette fois le lendemain de cette première résolution, la résolution 1541 a été adoptée le 15 décembre 1960 et qui édictait les principes qui doivent guider les États membres des Nations Unies pour déterminer si l'obligation de communiquer des renseignements prévus à l'alinéa E de l'article 73 de la déclaration de la Charte des Nations Unies leur est applicable ou non. Et naturellement, ces modalités, il y en avait trois principales et fondamentales. Première modalité, indépendance et souveraineté. Deuxième, libre association avec un État indépendant. Troisièmement, intégration avec un État indépendant. Ok. Monsieur Thiam, si à vous entendre, on pense que... On comprend que sur le plan international, la Guinée a brillé et dans le domaine de la liberté, du combat contre l'injustice. Mais l'un des problèmes auxquels les institutions, les organisations internationales attaquent le président Sékou Touré, c'est justement sur ce plan de droits de l'homme, mais à l'interne. Mais pourquoi cet acharnement des institutions, des organisations internationales contre le président Sékou Touré sur le plan national, parce qu'il paraît qu'il a violé tous les principes de droits de l'homme en Guinée? Bon, je refuserai de répondre à cette question parce qu'elle a des tenants politiques. Puisque je suis magistrat, je m'en tiendrai au droit. Okay. Maintenant donc au droit, je viens au fait que en Guinée, je parle du patrimoine de la Guinée. Du patrimoine de la Guinée. Ce patrimoine de la Guinée, qu'il ait été bâti par ces autorités ou d'autres, c'est un patrimoine de la Guinée. National qu'on doit assumer. Mais il se trouve que ce patrimoine a été créé au temps du président Sékou Touré, et c'est de ce patrimoine juridique dont moi je suis fier que je vais parler. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que en 1966 plus tard, la Guinée était encore dans sa quête pour les droits des peuples, les droits de l'homme et des peuples. Un des auteurs de la négociation des pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels qui ont été adoptés en 1960. Mais pendant les discussions, la Guinée avait voulu que les droits de l'homme soient assis dans ses relations avec les droits du peuple. Malheureusement, ce que vous dites est arrivé. On a dit non. Les gens ont pensé que le concept de droit de l'homme, de droit des peuples, était un concept communiste ou provenant des régimes qui sont associés au communisme. Mais il y avait un minimum
puisque les États africains étaient indépendants et qu'on reconnaissait aux États coloniaux, aux citoyens des États coloniaux, l'égalité avec tout homme, l'égalité universelle, attachée à la nature humaine. Puisque ça s'était déjà reconnu dans ces deux pactes, la Guinée s'est empressée de signer et de ratifier plus tard ces pactes. Nous avons ratifié ces pactes en 1978. Alors que d'autres pays qui sont reconnus les champions des droits de l'homme ont reconnu, ont ratifié ces conventions des années plus tard. Je prends par exemple la France, elle a ratifié en 1981, alors que la Guinée l'a fait 3 ans avant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le président Sékou Touré n'ayant pas, la diplomatie guinéenne n'ayant pas réussi au niveau de ses pactes à imposer, en 1978, du 13 au 16 novembre, la Guinée a convoqué un colloque international sur cette question des droits de l'homme. Les droits de l'homme étaient le deuxième thème de ce colloque du 13 au 16 novembre 1978 pour débattre justement du thème des droits du peuple aux droits de l'homme.